Pour toi, comme ton, il m'avait dit que il voulait m'entendre roter au début d'une vidéo. Et oui, j'y pensais, t'inquiète pas, il me fallait de la Monster pour roter. Yo l'ami, bienvenue sur cette vidéo, une nouvelle vidéo. On va revenir sur cette cigarette électronique de la marque GoPro. Pas la GoPro, la BoPro, c'est un petit mélange de GoPro, BoPro. Bon, je voulais faire un petit jeu de mots, les amis. Oh, il faut bien rigoler, hein. En ce moment, c'est vrai que les vidéos, faut pas se cacher, j'en ai marre de les faire, surtout les montages. Donc, du coup, bah, j'essaye de trouver des petites choses assez drôles. Du coup, les amis. Quand je dis les amis, c'est parce que vous êtes sans doute plusieurs en train de regarder ma vidéo, mais je vais dire l'ami. Du coup, l'ami, pour la BoPro que j'ai là, qui fonctionne très bien. Voilà, j'ai pas l'habitude de vapoter, c'est pour ça que je tousse. Je vais revenir sur cette BoPro. Car j'ai déjà fait une vidéo, mais il y a deux d'entre vous, dans mes abonnés, m'ont demandé que ça serait pas mal que je refasse une vidéo. Je sais pourquoi. C'est que la première vidéo que j'ai faite, il y a une avance rapide et du coup, vous entendez pas exactement correctement ce que je dis au cours de la vidéo. Donc, je vais vous présenter la boîte et vous parler un petit peu de cette GoPro. Et moi, dans celle-ci, j'avais la résistance qui ne fonctionnait pas. Soit c'était de ma faute parce que je l'ai trop imbibé de produits au début. C'était la première fois que j'avais ça, hein, comme cigarette électronique. Du coup, j'ai forcément fait de la merde, mettre trop de produits dans le sur le coton de la résistance. Sinon, si ce n'était pas de ma part, cette faute, ça provenait directement d'une défaillance ouais, je l'ai dit à l'instant, non, non. Voilà, je perds le mot. Non, mais j'en fais pas exprès, hein, c'est ça le délire. De la résistance, voilà. C'est un défaut de la résistance. Excusez-moi. On va se rapprocher de plus près de la boîte. Excusez-moi, la table n'est pas propre. Hein? Voilà, j'ai pas passé un coup dessus. Pourquoi? C'est que j'économise mes lingettes, j'en ai pas beaucoup et je n'ai pas les sous pour m'en racheter d'autres. Enfin bref, c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà. Bah, excusez-moi pour la propreté de la table qui n'est pas propre. Du coup, les amis, une résistance, je dis les, je pourrais dire l'ami. Une résistance, c'est ça. Voilà, je peux vous montrer qu'il y a beaucoup de produits dedans. Celle-ci, elle fonctionne pas. J'ai le câble d'alimentation de la cigarette électronique. Là, c'est vendu par, excusez-moi, c'est vendu par avec 6 produits, sauf que moi j'en ai 2 que j'utilise qui sont dans mon placard et puis j'en ai 2 autres que j'ai fini. Ce sont des produits sans nicotine. C'est écrit 0 mg, ça veut dire il n'y a pas de nicotine et moi pour moi, et ben je rechercherai plutôt avec de la nicotine. Donc là, ça fuit. Pourquoi ça fuit? Je ne sais pas pourquoi. Ah, ça coule. À l'ouverture du débit de prise d'air. Je ne sais pas pourquoi ça coule. Et c'est gras, c'est dégueulasse. Je vais prendre du papier WC. Donc là, je vais essuyer je sais pas comment ça s'appelle ça, le récipient. Mais ça, c'est une prise d'air. Et ouais, ça, c'est une prise d'air, mais c'est aussi le trop-plein. Quand il y a trop de produits, ça coule là-dedans. Voilà.
Donc, j'essuie. Là, c'est bon. Je veux l'ouvrir. Je vous ai montré qu'avec cette résistance-là, ça fonctionnait. Je vais vous montrer avec une autre, avec l'autre d'origine que j'avais dessus, que ça fonctionne pas. Donc j'essuie le produit. Ensuite, je dévisse. Voilà. Je vais choper celle-ci. Je revisse. Donc les amis, niveau qualité image de la vidéo est carrément mieux avec l'application HD caméra que l'application mobile appareil photo. Oui, j'ai téléchargé une application pour avoir une haute définition de vidéo avec mon Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un téléphone portable qui est d'ailleurs excellent comme téléphone. Donc là, j'ai essuyé la résistance, mais j'en ai sur les doigts, ça c'est la misère. Donc je revisse. Donc là, je visse la cigarette électronique comme ceci. J'ouvre la prise d'air, il me semble. Donc là, je réessuie là. Voilà, vite fait à la bourre. Tac. Et là, ça chauffe pas. Ouais, la résistance, elle est foutue. Elle est HS. Là, ça se voit que là, c'est pété. Hein. Donc, ouais. Là, c'est pété. Non, je pense que la résistance, elle est morte. Je vais la foutre en l'air. Ouais, je vais la foutre en l'air. Elle est morte. C'est quand je l'ai reçue, la cigarette électronique, et bah j'ai eu cette résistance et elle fonctionne pas. Ça peut arriver. Défaillant comme produit. Comme. Mince. Une résistance qui fonctionne pas. En plus, le caoutchouc, il est coupé. Une chose que j'avais pas vue au début. Et celle-ci, elle fonctionne. Celle que je viens de remettre. Voilà. Je finis d'essuyer ça correctement. Je remets du produit dans ma cigarette électronique et je vous fais une grosse fumée devant vous. Je vais vous montrer comment mettre du produit dans la cigarette électronique. Une chose que j'y pensais pas. Là, vous avez un trou. L'autre côté aussi, vous mettez ça à l'intérieur du trou, comme ceci, et on appuie. Là, ça c'est plein. Comme ça. Et là, on reprend. Ça... On met ça là-dedans. On visse. Voilà. Pas trop visser, hein. Sinon après, pour dévisser, c'est la merde. Et là, on entend. C'est que la résistance, elle est morte, l'autre. Je l'ai foutu à la poubelle. Allez, prêt, on va mettre à 60 watts. Ah putain. Ah ouais, j'ai pas l'habitude. Je recommence.
je sais pas, vapoter. Attends, faut que je bois mon remède quand même. Elle est excellente, cette monster. C'est la punch, celle-ci. Elle est trop bonne. C'est un produit ananas dedans. C'est pas top. Voilà, ça fonctionne bien. Je peux la mettre à 80, hein, si vous voulez. Je la mets au max. 80. Mais c'est dégueulasse. Ouais. Ananas, c'est de la... c'est de la merde. Voilà, off. Ah merde. C'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a bien plu, n'hésite pas à le soutien, s'il te plaît. Je te remercierai si tu me laisses un espace dans l'espace commentaire. Un message dans l'espace commentaire. Je te remercie pour ton abonnement. Ça fait plaisir, l'ami. Et sur ce, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao!